Ka? Oui, Simba. Qu'est-ce que tu as? Je te vois préoccupé, tu as des ennuis? En fait, je suis inquiet. Tu n'as rien remarqué? Oui. Depuis que nous Quoi sommes donc? En Afrique, nous n'avons pas vu le moindre singe. C'est bizarre. C'est vrai que c'est plutôt étrange. Peut-être qu'il n'aime pas vivre par ici, tout non, simplement. Non, il y a les singes partout non, en Afrique. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit en train de comploter contre nous. Avec Shere Khan, il faut toujours se méfier. Il est fou. Bimbo, si on se reposait ici, c'est un bon endroit. C'est parfait. Il y a une oasis. Nous pourrons nous désaltérer. Nous nous arrêtons ici! À quoi tu réfléchis comme ça? À ce que peut comploter Shere Khan. Il faudrait envoyer un espion. J'y pensais justement. On pourrait peut-être envoyer Tin et XL. Non, je crois qu'il faut un oiseau. Il aura plus de facilité. Je suis content que cette idée soit de Ka. Je suis votre oiseau. Je suis prêt. Tu es sûr de réussir? Absolument. Je découvrirai ce qu'il complote. Ce sera pas aussi facile que tu crois. Je crois que c'est une mission dangereuse. Simba, tu veux que je l'accompagne? Pourquoi pas? À deux, c'est plus sûr. Moi aussi, je veux aller avec eux. Je pourrais les protéger. Tu es très gentil, mais je me demande comment tu nous suivras dans les airs. Cette fois, il ne s'agit pas d'aboyer pour faire peur. Simba, tu ne dois pas leur confier cette mission. Il faut quelqu'un de rapide et courageux. Je sais que tu es courageux. Mais pour cette mission, il faut passer inaperçu et ce sera beaucoup plus facile pour un oiseau d'espionner sans être vu. Alors, qu'attendons-nous pour partir, hein? Vous ne pouvez pas y aller seul. Ah, je savais que tu finirais par changer d'avis. Alors, j'y vais? Oui, vas-y. Va chercher l'aigle. Hein? L'aigle? Oui, c'est un aigle qui fera partie de l'équipe. Cette mission est prévue pour des oiseaux. Vas-y. Boule, je sais que tu es contrariée, mais tu pourrais te dépêcher. Oh, calme-toi, c'est une mission spéciale pour des envoyés spéciaux. Si je t'attrape, tu verras où je t'enverrai. Tu devrais avoir honte de parler comme ça. Alors, Boule, tu te dépêches? Oh, que j'ai faim. J'ai tellement faim. C'est comme moi, d'or, et tu n'y penseras plus. Tin, tu te souviens quand on a fait notre voyage en bateau avec les pirates? Oui, je m'en souviens. Ah, ça, c'était le bon temps. Oui, le caporal. Et le robe des cacao. Oui, je me rappelle, on avait perdu un tonneau. Du fromage, j'en veux. Il y en a encore. Où ça? Là. Un gros morceau. Attends. J'ai bien cru que c'était la fin. Oh, quel fumeur. Tout un fromage. On va se régaler. La vie de pirate, c'était bien. N'empêche qu'on a dû quitter le bateau à toute vitesse et qu'on a eu la chance d'être secourus par nos amis. Mais dans la jungle, il n'y a pas de fromage. Il n'y en a pas dans la savane non plus. Ça suffit avec tes souvenirs de fromage. Je sens l'odeur comme si nous y étions encore. Ah, moi aussi, je le sens, ça sent bon. On se croirait sur le bateau des pirates. Quel parfum délicieux. Tiens, tiens. Oh, j'ai des hallucinations à cause de la faim. Cesse de faire semblant de manger, ça m'empêche de dormir. Oh, où
as-tu trouvé ce fromage? Donne-moi ça. Ce fromage est absolument délicieux, quel régal. Tu peux me dire où tu as trouvé ce fromage? J'en sais rien. Je pensais à du fromage et quand j'ai ouvert les yeux, il était là. C'est bizarre. Il doit y avoir une explication. C'est peut-être l'œuvre du médaillon. Non, c'est impossible. Quand ils nous l'ont donné, ils nous ont dit de l'utiliser avec sagesse et uniquement pour de bonnes causes. Oui, c'est vrai, mais après tout, c'était une bonne cause. Nous mourions de faim. Attends, je vais essayer autre chose. Mais d'ailleurs, je voudrais un gâteau avec beaucoup de crème chantilly. Il se passe rien. Ça marche pas. Nous ne découvrirons jamais le secret de ce médaillon. Tu sais ce que j'aimerais après cet excellent repas? Non. Qu'est-ce que c'est? Une bonne petite bouteille de rhum. Ça alors, j'en crois pas mes yeux. Oh mon Dieu, c'est incroyable, c'est de la magie. Et c'est du bon. Tiens. Ça tourne. Il était vraiment très bon. Et pendant ce temps, toi, tu vas aller les espionner. D'accord. Ben tiens, on a de la visite. Des petits curieux. Un grand maître, on nous espionne. Ils ne doivent rien savoir de nos plans. Tu dois à tout prix les empêcher de rejoindre leurs amis. Sinon, notre plan est à l'eau. Va. À tes ordres, grand maître. Oh, attention, la gym, voici les vautours. J'ai vu quoi? Oh, regarde, l'aigle se bat avec deux vautours. Je vois rien. Mais si, là-haut. T'es sûr? Mais y'a rien là-haut. À mon avis, t'as bu trop de rhum. Ouais, c'est toi qui es sourd, tu les vois pas. L'aigle et le gym se battent contre les deux vautours. T'es aveugle. Je vois rien, y'a absolument personne. Et maintenant, je vois plus rien. Ça doit être le médaillon. Oh, mais c'est formidable. Ça veut dire que le médaillon nous prévient d'un danger. Mais oui, il me fait voir des choses qui se passent ailleurs. Allons, fantastique. Simba. Oui. Simba. 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 Le gym, le canari et l'aigle ont été repérés. Le canari a réussi à s'échapper, mais l'aigle se bat avec des vautours. Shere Khan a rassemblé son armée et il se prépare à nous attaquer. Mais qu'est-ce qu'il te prend? La situation est grave. Je veux bien te croire, mais j'aimerais que tu me dises comment tu sais tout ça. C'est l'œuvre du médaillon que nous a donné Rhetes II. C'est vrai, ce médaillon a d'immenses pouvoirs. Un médaillon qui a des pouvoirs? Oui, je t'assure. Tout à l'heure, on avait faim et tout d'un coup, un morceau de fromage est apparu et du rhum aussi. Oui, le gym et l'aigle sont en danger. Et en fait, moi, j'en sais rien. C'est lui qui a tout vu. Oh! Mais c'est quoi cette odeur? C'est vous qui sentez comme ça? Eh oui, c'est du rhum. On en a bu une goutte. Du rhum? C'était bon. Oh, moi je sais ce que c'est.
C'est de l'alcool et quand on en boit, on fait n'importe quoi. Oh, et pourquoi vous avez bu ça? Parce qu'ils sont idiots et maintenant ils sont ivres. On n'est pas ivres, tu dis n'importe quoi. Ah non, c'est ce qu'on va voir. Nous en reparlerons plus tard. Ouais, bravo, Wixel. Et on passe pour des ivres. T'en fais pas, Simba va finir par admettre qu'on dit la vérité. Pourquoi le gym, le canari et l'aigle ne reviennent pas? Ce n'est pas normal. Il vaut mieux partir. Mettons-nous en route! Grand maître, ça y est, grand maître, ils arrivent! Il ne devinera jamais que nous sommes cachés ici. Devons-nous les attaquer tout de suite? Imbécile! Oui, grand maître. Vous avez raison, mais pourquoi n'attaquons-nous pas? Tais-toi! Si nous attaquions maintenant, nous perdrions l'effet de surprise. Oh, vous êtes un génie. Oui, je sais. Tenez-vous prêts, nous allons bientôt attaquer. Pourquoi ris-tu, imbécile? Parce que je suis content. Ah ben, je croyais que tu te moquais de moi. Oh non, jamais je n'oserais. C'est la joie. Tu as raison, réjouissons-nous de nos futures victoires. Pourquoi riez-vous, bande d'imbéciles? Vous trouvez ça drôle? Non, maître. Le prochain qui rit aura affaire à moi. Regarde là-haut, voilà le canari. C'est trop calme. Je me demande ce que Shere Khan nous prépare. Simba? Simba, j'ai des nouvelles importantes. Shere Khan et son armée sont cachés en haut de cette colline. Shere Khan va bientôt nous attaquer. Et on sait tout ça grâce au médaillon du Rates 2. Oh, c'était donc vrai. Ils disaient la vérité. Leur médaillon a réellement de grands pouvoirs. Voilà le gémé l'aigle. Compagnons, dans quelques instants, nous allons passer à l'attaque. Et nous vaincrons l'usurpateur et son armée, car nous sommes les plus forts. Maître, l'armée de Simba s'est arrêtée. Je crois qu'ils nous ont vus. Vous avez entendu? À l'attaque et pas de quartier! L'armée de Shere Khan nous attaque, nous devons agir. L'aigle a raison, nous devons contre-attaquer. Très bien, les éléphants vont charger en tête, soyez prêts. En avant, à l'attaque. Les ours, à mon commandement, à l'attaque. Non, Simba, tu ne peux pas aller te battre. C'est hors de question. Nous avons besoin de toi. Je ne peux pas te laisser prendre de risques. Je comprends. Tout ira bien.
Youpi. Il y a beaucoup de blessés. Oh, nous devons les soigner, vite. Vous avez vu? C'est notre ami Éclair. C'est incroyable, t'as vu comme il se bat? Ixelles, on va se battre, nous aussi. Ouais. Oh, on va aller se battre Ouais, fais-nous descendre tout de suite. C'est trop dangereux. Vous pourriez être piétiné. Il faut qu'on parle du médaillon. Tu vois, je savais qu'il changerait d'avis. Ah oui, il a enfin compris. La situation tourne à notre désavantage à cause de ce faiseur d'éclairs. Il me semble qu'il s'agit d'un des dinosaures de la vallée oubliée. C'est impossible, les dinosaures n'existent plus, ils ont tous disparu. Bande de lâches, retournez immédiatement vous battre, sinon c'est moi qui vais m'occuper de vous. Ne crois pas que nous allons en rester là. Tu n'as gagné qu'une bataille. Laisse-le chanter. T'en fais pas, moi aussi j'ai envie d'entendre sa chanson, tu sais. Nil, toi qui coules depuis l'Antiquité, combien de légendes as-tu fait naître? Raconte ce roi qui dans l'adversité se révéla devant l'ennemi un grand maître. Nil, mon beau Nil, continue de couler dans ton lit de limon pour l'éternité. On montait pas, hein? Notre médaillon a réellement de grands pouvoirs. Simba a gagné la première bataille contre Shere Khan, le tigre.
Mais il reconnaît que ce n'est pas grâce à ses talents de chef, mais plutôt grâce au conseil avisé du serpent et de tous ses autres amis. Il a compris que pour vaincre le tigre, il devra compter sur le dévouement de ses fidèles compagnons. C'est ce que nous verrons dans notre prochain épisode. Vive le soleil, vive la lune, vive la pluie, vive la brume, vive la vie, nous dix ensemble, vive la jungle et notre bande, tous les copains vivent ici, on se surprend, on se fait peur, on sourit, on fait la course, on se faufile partout et la nuit nous endort, quelle est belle la vie, comme la jungle est jolie, elle est notre mère, c'est une autre maman, Arbor est notre papa. Chanteur, un corbeau directeur, un crocodile nageur, à la balle joue le chien, il joue vraiment bien. Le serpent se faufile et les singes sautillent, nos souris qui marchent, on dirait des stars. Le tigre les observe, les protège, il oublie sa colère de ne plus être roi.